On est live, donc bienvenue à cette rencontre du réunion du comité plénier du 10 février 2021. On va procéder avec l'ouverture de la réunion à 9 h. Donc, on va demander à chaque membre de se nommer, question de prendre les présences. Paula Asley, présente. Guy Desjardins, présent. Robert Kirby, présent. Daniel Lafleur, présent. Pierre Leroux, présent. Normand Rubel, présent. François Saint-Amour, présent. Excellent, merci. So, next item is disclosure of pecuniary interest, if any. No. Seeing none. Next item is the adoption of the agenda. Let me see if there was any modification. No modification to the agenda. So, Madame Astley, propose, Monsieur Lafleur appuie, tous en faveur. Prochain item, pétition, délégation et présentation. Donc, on va y aller à l'item 4.1, item 4.1, Jane Torrance and Stephanie Gray presenting the draft, United Counties of Prescott-Russell draft, Community Safety and Well-Being Plan. So, I guess I'm, is it Mrs. Gray or Mrs. Torrance that will be doing the presentation? We'll be doing it together, Mr. Warden. All yours. Okay, thank you. Thanks very much for having us this morning. It's a pleasure to appear before the United Counties of Prescott-Russell. As you know, do we have our slide presentation coming up? Yes, it should be. Olivier, est-ce que tu veux mettre le PowerPoint? Oui, exact. Thank you. So, Stephanie and I will apologize in advance for our high school French, and we know that you didn't hire us for our French skills, you hired us for other skills, so it was a pleasure to listen to you as you're opening this morning and Stephanie and I are typing back and forth. I wish they'd speak more slowly so we could understand, but the truth is that we our French skills are very poor, and but we appreciate that you're willing to hear us in English and know that this plan will be translated into French before it goes into public use. So it's not, it will be a bilingual plan with a French and an English version, but we're happy to present to you the draft plan in English only this morning. The next slide, please. So you remember that you have hired Stephanie and I to do the community safety and well-being plan for the municipality. And through our planning process, from July 19th from July in 2019 to now, we've had 6 meetings with an advisory committee that's been made up of 17 to 20 members of the social service, human service agencies in your municipalities. That advisory committee was determined by council and it's just grown a little bit depending upon who's available to attend and some interest that's been shown along the way because there has been quite a bit of interest. The members were all people who represent social serving agencies in the municipalities and had true data and information to bring to the table. On top of that, we've had 17 stakeholder interviews, and I see Mayor François Saint-Amour, who was one of our interviewees. You're right in front of my screen. That's how I see you first, François. But we did have 17 interviews. We did a broad survey and had 89 surveys that came in, all talking about the assets, the gaps, and possible strategies that could take place to be able to mitigate the risk that we have identified in Prescott and Russell. You will remember that we had 5 milestones in our proposal. And so this is coming towards the very end of the draft plan, the 4th milestone, before we go to implementation. Next slide, please.
through this very long process of collaboration and consultation with some really great community partners in Prescott and Russell, we have identified, I think none of these will be a surprise to you. We've identified 7 risks to community safety and well-being, being mental health, substance use, health and well-being, and we'll talk a little bit more about what we mean by these categories a little bit later. Income and employment, housing, violence against persons, and transportation. On top of that, knowing that that as United Counties, you wanted to know were there specific risks in specific municipalities, we have also identified a few population-specific risks and a few geographic risks. Good morning, everybody. It's very nice to see you all again. It's been quite a long time. So looking at some of the specific risk areas, I think it's important to note, first off, we're not going to dive really deep into these today because you've had the report for a while to take a look at the deeper content. But each section, as you know, shows the various statistics and data that we collected over the period as well as the assets that exist in the community. And many of these risk, all of these risk areas build off those assets that currently exist throughout Prescott. So in terms of the mental health strategies, and also these are not in any particular order at this point, but with the mental health strategies, we've identified an increased opportunity for collaborative case management. In order to reduce crisis situations. So there's a number of collaborative tables that exist and we can build off of those. As well, we're looking at a strategy for increasing access to services by developing some more walk-in clinics and service hubs, or by enhancing and creating programs that increase access to a range of specialized services. So one thing that has become apparent as well through the pandemic is that there's a number of different ways that services can be delivered. So there's opportunities to build off of those assets from there. In terms of substance use, similar to the mental health risk area, there's a lot of opportunity for partnerships and collaborations to continue in order to expand service delivery methods that have been identified. And one of those items in terms of strategies was a need for increased home-based detox services across the counties to reach more people. And also to work collaboratively to expand on available addictions programs. So some of them are traditional and some of them are virtual services, but to go beyond some of the programs like Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous, and to ensure that those services and others are available across the entire geography. For health and well-being, this category, I like to emphasize with this one that we know that in all of the different risk areas, they cross a lot of different boundaries in terms of services. So, you know, mental health and addictions or substance use issues are part of health and well-being. So this category captures some of the other areas that aren't necessarily addressed in those risk categories. So in terms of health and well-being, for the first one, expanding needed health services across the entire geography of the United Counties. That can include things like clinics, palliative care services, and some gaps that have been identified in specific locations where specific health services like that are needed. We're informed of a need for greater access to primary care and increased coordination of services. And looking at some of those pathways and availability of services to children, youth, and adults with special needs and developmental disabilities and their families. The support for children and parents that is inclusive and culturally sensitive. And this one, this piece is an important one that actually crosses into all of the sectors or the risk areas, but was put here because of the broader health and well-being component. And that's a clarity in system frameworks and communication. So that one would apply across the board, but it was recognized that there needs to be more collaboration in terms of making sure everybody knows what they're doing and how the system works.
Employment and income was identified as a risk, and this is one of our risk areas that could have many titles. It could be unemployment and low income, poverty and unemployment. But our steering committee, our advisory committee, liked the term income and employment. And so the strategies within this risk area would be to increase employment opportunities for all residents of Prescott and Russell. And we do see this as an economic development opportunity and would treat it as such. We'd also think a strategy to develop a poverty reduction strategy for the whole of the United Counties of Prescott Russell, following the 12 indicators outlined in the federal poverty reduction strategy, knowing that our federal government has undertaken a poverty reduction strategy. We know that Hawkesbury has been quite involved in a project with Tamarack for vibrant communities around a poverty reduction strategy. We think that that this is needed beyond Hawkesbury. This should be across the whole of the United Counties, and so we have indicated that and included it as a strategy for this report. Housing strategies. I can tell you that it's been a pleasure to work with the housing department with the United Counties of Prescott Russell. Your 10-year housing and homelessness strategy is actually really fine, and we like the way it has the annual reports in it, and we can see where things are moving in this area. The housing strategy that's identified in the Community Safety and Wellbeing Plan, we all know across Canada that affordable housing is an issue, and it's becoming more and more difficult outside of the social housing sector to be able to live in our own communities and to be able to find affordable housing. So the strategy would be to develop an affordable housing strategy that looks at housing form and land use policies, to establish wraparound services for those who are homeless or at risk of being homeless, and this would be working with the housing department and social services, and the lofty goal to eliminate homelessness and the risk of homelessness. This category of violence against persons addresses violence overall, but does include some very specific populations. So it takes into account violence against women, child abuse, elder abuse, various specific populations are addressed in terms of the strategies. But in terms of the overall issue, we recognize the importance as a strategy of addressing the root causes of violence against any of these populations through education, training, and trauma-informed approaches, and that would look different depending on which population you are addressing. As well, it looks to enhance services to some of those specific populations that are affected by violence. So various things have been identified as steps to be taken for some of the specific populations that were mentioned in the plan. I should also note that in the draft, you've likely noticed there are some updated statistics that we're waiting for to come in yet that will be included in the final plan, but those should support the strategies that we've identified, because as what's been discussed at around the table has identified some of the issues that would be reflected in those stats. Next slide. Transportation strategies. We know that Prescott Russell Transport is really the leader on this barrier to service, this risk that has been identified, and we know that there is an on-demand service that is being hoped for, planned for, if funding is allowed, if the transfer of funding is allowed. So this is one of the risk areas that remains in the report, because it still is a risk, but we know is going to be could be changing depending upon what the current situation ends up with by the end of June. But there's also a strategy to involve the private sector to address the shortage of taxi or ride-sharing services and to increase transportation options and to engage the partners in PR Transpo in the service development area of transportation, as well as to invest the time in ridership development. So as long as you have a system, how do we get people in the system? So there's those two things of the service development
development and the ridership development go hand in hand. And as I said, we did think about through our consultation, priority populations were identified that needed a little bit more attention, and that would be the 0 to 6 population, youth, seniors, and the LGBTQ2S populations. And there are some specific recommendations within the report. We also think there are geographic considerations should be made when the implementation team considers action on the employment and income, on the senior strategy, and across the service areas through health and well-being. When we were in the middle of the consultation, we did ask people what will help. This was a question that was posed, what will help with the implementation of the safety and well-being plan? And overwhelmingly, these are the answers. These are the only answers we got. Everybody said it a little differently, but these are the five answers that came out loud and clear, is that the plan needed to be practical, and it needed to be well communicated. And so I hope that you received the little very color-coded infographic that came with this presentation. And remember that this is a draft. This is something that we will be working on as in the coming weeks, because this will be the very practical part. We thought we could synthesize it down and easily transfer the message if we were to have very clear bullets of what we were doing. That will help. We already have an engaged community, and in this sense, community denotes the service providers, not the general population, but that was our task, was to engage our service providers and the implementation team in a more focused way. We know that this plan will only be successful if we work in partnership across all of service providers and with the municipality and with the departments of the municipality. And if it is coordinated, if there is somebody who is pulling everyone together and leading the plan forward, so that this will be key, so that it does not sit on a shelf someplace. So we also asked the advisory committee members about their capacity to support the plan once it moves into the implementation stage, and responses included that basically the members are supportive and willing to work on the team. They stress the importance of being part of a network of partners, participating fully, and bringing their experience and expertise to the table. In terms of strategic investment, that can look like a number of different things, from human resources to in-kind contributions to actual funding sources. There was a willingness expressed to apply for various funding support for pieces of the plan or coordination of it, a willingness to provide logistical support, so IT services, communications assistance, space, things like that, and also some possibility was expressed in terms of having capacity to fund the coordination. Next slide. So in terms of the implementation, this piece is something that the lovely thing about the community safety and well-being plan is that it belongs to you. It belongs to the community. It identifies some amazing assets that you already have and tries to express ways that you can build off of those to work together. So you already have a great team of people in the advisory committee members who are willing to step up and work towards the implementation of this plan. And as much as it belongs to the councils and the community, it's really a plan that's driven by those service providers. They're the ones who are on the ground and actually doing a lot of the work that is already being done and needs to be done and further coordinated. So in terms of considering how implementation is going to look, assessing the capacity for coordination is really important. Is there somebody who can kind of keep their eyes on the ball in terms of moving it forward? And in terms of the reporting requirements, that is something you can discuss as a council to see what kind of frequency you want to hear about progress on the report. The ministry has not yet stipulated any regulations specific to
what reporting needs to look like going back to the province, and that's something that your police services boards can likely keep you informed on. I'm sure that information will come to municipalities as well if the regulations, they keep saying they're going to have regulations about this, but to date the only regulations are around the deadline for the completing the plan and also the fact that it needs to be published and available to the public. So that's information that's still to come, but you can still determine what that's going to look like in terms of what your council knows. And I know Eric, I believe, is on the call, who he's been our chair for this process. And I know that he has been doing some outreach to see about membership and leadership and so on. I'm not sure if he wants to add to this. Yes, thanks, Stephanie. Monsieur le Président, membres du Conseil, il y a quelques agences qui ont signifié de l'intérêt d'avoir du leadership, que ce soit comme président ou pour faire la coordination. Ces agences-là, ça va avec leur vision, leurs organisations. Donc, on a le Bureau de santé, on a Centraide qui sont prêts à faire un rôle de leadership dans le comité. C'est sûr qu'avec la coordination, c'est possible qu'avec le reporting, dépendamment ce que le ministère exige dans les prochaines communications, s'il y a beaucoup de reporting à faire, de note-taking, présentation, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va peut-être falloir penser à peut-être avoir un 200 heures, 250 heures par année d'octroyer ou de payer pour faciliter cette façon de faire-là. Donc, c'est la discussion. On n'a pas besoin de trouver une solution à ce moment ici. Je peux vous dire que les agences dans Prescott Russell sont très impliquées. Ils croient dans ce projet-là et sont prêts à travailler. Il y aura la formation aussi de sous-comités pour certains sujets. Puis, je peux penser juste au logement. La pauvreté, dépendamment de la géographie de votre région, si c'est plus affecté ou pas. Moi, je vois vraiment dans la création d'un sous-comité votre participation ou quelqu'un de votre municipalité qui pourrait être présent si ceci s'applique à vous. Donc, Jane, Stephanie, I'll go back to you. I heard my name. We assume you talked about implementation, Eric, and that council will talk about at another time about how this might actually take place. What we can tell you, what Stephanie and I will be doing, is that in the coming weeks, we'll be gathering our implementation team to review, finalize, and to prioritize the actions. We know that this is a multi-year project. It's not going to, things will not, all of the strategies that are presented, of course, cannot possibly happen within a few months. And so we'll probably try to see what's the low-hanging fruit, what can be knocked off really quickly in the first year, where are people already working together, and what networks can just expand or stretch, and how agencies could just stretch their mandate, and really stressing that we don't think that there's a lot of change that needs to happen. We think people need to tweak the way that they're already working and to start to work with other people for a networked approach and a more collective response to some of the risk areas that are presenting in Prescott and Russell. The adoption of the final report will come to before Council on April 28th, and this is really to be able to meet those deadlines that are so important for the Ministry. So it will come, we're hoping that you will approve the plan on April 28th, can then go for translation, and Eric, I think, will be making sure that happens. He's our key contact, so I don't think he's going to do it personally, but he will know the right people. And it will also have to be circulated to the lower tier municipalities. And that's for your decision, whether it's for approval at those lower tiers or whether the upper tier is just going to adopt it as an upper tier document. And it will be ready for submission to the ministry in June. The deadline is July 1st.
questions, Stephanie and I will, if we speak in English, we'll try to answer the questions. Thank you very much, Mrs. Gray, Mrs. Torrance, for the presentation. Does any member of the council have questions or comments? And I'm assuming that if we do have comments afterward, we can always reach Mr. Larocque. Will he be the person to talk to if we have comments or questions? Yes. And I guess, yeah, Madam Astley, you have a question? Yes. Thank you very much for your presentation. I have a question that can be answered by either Mrs. Torrance or Mrs. Gray. It's more insofar as the deadlines are concerned. It was showed on your last slide that May was the adoption by the lower tier. So when I look at the deadline between the time it's accepted at the counties, which is April, then the next month it's the lower tier, which is the municipalities, basically, they will not have that much time to look into the report and see how they, what kind of resources they can apply to the report. We might need some assistance and guidance. So I'm just wondering, how this is going to follow through from the counties going to the municipalities, and what should what do you recommend that we do? Because once it's accepted at the counties, my understanding is that this report goes to every municipalities, and they can draft their own plan in accordance to what you have. They can tweak it, let's put it this way, and then adopt it. I'm just trying to put in my mind how, with what resources will we able to take this report, bring it at the municipal level, tweak it, and adopt it, because the timeline is very short. I think that the answer lies in the implementation, and that the report itself is the broad document. It's the implementation and the strategies inside the report that are what you're probably going to be more concerned with. So in that implementation, if outside of the broad plan, if you want to go further, go deeper, go do something different, you could, that the strategies are meant to be dynamic. And that's why the reporting is really quite important, because if you knock it, like if one thing is solved really quickly and something else comes to take its place, it can be included in the strategies. It's a living document, and we're not going to solve the risks in Prescott Russell or any other municipality across Ontario in 6 months. It's going to be a long-term process with many people working together. So really what a community safety and well-being plan is to ask people to work together differently than they've worked in the past, and to be able to think about how community safety and well-being affects the work of the police. Because remember where this plan is coming from. It's coming from the Ministry of the Attorney General, thinking about why police are spending so much time on social issues instead of enforcement issues. So those social issues, if we're working together in the next 1, 2, 5, 10 years, new strategies will always come forward. So I wouldn't think that we're so worried that our concern is not reflected in this initial report, because it does need to be in a living document. Specifically, to answer your question, once it comes to the 28th of, once it's passed by the county's council on the 28th of April, then it will be the job of whoever. I'm not even going to guess who you might assign to this role to be able to shepherd it through, but Stephanie's and my job will be done at that point, and it will be we will be
willing and able to help you make sure it gets submitted to the province in time, but our job of as facilitators and as consultants will be done. So that's why Eric has said, I assume that the implementation is actually quite important, how it moves through implementation so that everyone can agree to it. Does that help at all, Paula? It helps somewhat. I understand that. I think you guided me towards the main goal of this plan, which is really the police that's been spending a lot of time on social issues. And basically, we just want to take that away and find some new ways of working with people and the police so that they can look after other problems that are more in the criminal type of aspect. Exactly. And I guess if I have more questions, like detailed question, I can always ask Mr. Larocque to add on. Thank you very much. Thank you, Madam Asley. And Mr. Leroux, you have a question also or comment? Thank you very much, Monsieur le President. Thank you very much for the presentation. It was a very detailed draft. I love the fact that organizations are being mandated to try and work together to find solutions to very complex problems. I was just curious, in regards to the surveys, the 89 surveys, was that surveys to the general public? Or was it, like, I know you had stakeholder interviews, 17 of them, was the surveys to the general public or was it just to certain groups? It was more to stakeholders in terms of the frontline agencies. Okay, because I think, as you mentioned, it's a community document and the community is going to have an impact or a say at some point in time. My only comment, if you will, I see a lot in the draft is that we're going to increase, we're going to establish, we're going to develop. As you mentioned, these are going to be things that need resources, whether it's time or money. So I think that council has to realize, because by accepting this document, we're kind of sending a message to the community that we're going to be looking to address these issues. And the community is going to have to realize, and council is going to have to realize, that if we're going to want to address these issues, it's going to take some funding at one point in time. So I know we're kind of at the high level right now, but as we dig further into the weeds, our treasurer and our finance department is going to have to really put some numbers together as to what's the implication of what we're going to be accepting in April, because, it's at the end of the day, if this is what the community and this is what our agencies and what the council, county council and municipal want to go as far as direction goes, we have to be cognitive that it's going to cost money and it's probably going to cost a lot of money. I appreciate the low-hanging fruit comment, and we'll go with those as fast as possible. But some of these issues, I mean, it's not just us, right? It's everybody. So, I was very impressed with the document. Thank you very much for putting it together. Thank you. If I could just add to, yeah. Sorry. I was just going to say that it's important to note that anything that's in the plan, if there's a council related implication in terms of funding or decisions that would be required, your implementation team can bring it back to council. There's often an advocacy role that plays a very prominent part, especially with some of these larger issues. So sometimes it's going to be a case of, coming to council to say, okay, can we advocate for funding from the province for something that is in the plan? We try not to put any very specific dollar figure. Yeah. and I appreciate that, right? But the challenge for us is, we have multiple projects that we go to the province and the federal government for currently. So, it'll be up to at that point in time for county council to decide, what's the priority? Is it the social aspect or is it an infrastructure asset or whatever the case is? But definitely I understand the advocacy role. Thank you. I think it's important too to recognize that what the beauty of the community safety and well-being plan is the municipality doesn't have to solve this by themselves. You're working with all of those other partners on your implementation team who also have the ability to apply for funding. We all know there's only one taxpayer. It could be coming from a provincial coffer or a federal coffer, some of the money, but instead of a municipal coffer.
But it's not just you who's going to be in charge of doing this. It's everyone working together. And some of it is really to change how people work rather than to look for money. And to be able to say that we need to stretch one mandate or shrink another to be able to, so there's no duplication of service, which we did not see in Prescott Russell, just so you know, but that we're really truly working for one plan for community safety and well-being. Thank you. Thank you very much. Is there any more questions from the council members? Seeing none. Mrs. Cadieux, do we need a recommendation to accept the draft plan and the other requests from the consultant? I don't think there were any other requests, but we can just accept the draft plan for now. Yes, so a recommendation. So I need a mover and seconder, Madam Astley, and seconded by Mr. Saint-Amour. All in favor? Good. Excellent. Thanks again, Mr. Storrens and Mrs. Grape. Oh, Mr. Parisien would like to add something. Yeah. Thank you, Mr. Warden. I want to thank both Jane and Stephanie for helping us or guiding us through this process. As you all know, it's been a challenging time to be doing this kind of consultation through virtual conferences. And both Jane and Stephanie have steered us in the right direction, and I want to acknowledge their work and their support to our community throughout this whole process. As I have said, it's not been an easy one. So thank you very much to both Jane and Stephanie. In addition to that, I want to thank Eric Larocque, who's been the chair and has been the lead on this from the county's perspective. You will recall when the whole plan was to be set in place that this was to be one for each municipality. Council chose to upload this to the counties for providing a blueprint, which was provided to members of this morning, and we'll have a discussion later as to as Jane mentioned it so nicely, who's going to be the shepherd of this process as we embark on the implementation phase. So thanks to everyone. Thank you very much. Mr. Parisien. Thank you again. Thank you for joining us. Thanks. All right, so next subject is item 4.2, Mr. Jean-Jacques Lacombe, Integrity Commissioner, amendment to the Complaints Protocol and Code of Conduct. Donc, je laisse la parole à Monsieur Lacombe. D'accord, merci. Tout le monde me voit et m'entend? Absolument. Oui, parce que j'ai quelques difficultés techniques à mon bout. Merci, Monsieur le Préfet. Et salutations également à Madame la Mairesse, Messieurs les Maires. Comme je disais, je veux vous rappeler que je ne peux pas vous voir, donc s'il y avait une occasion parfaite pour me faire une grimace avant que j'entre en fonction, ce serait le temps présentement puisque je ne peux pas vous voir. Donc, c'est avec plaisir que je me joins à vous ce matin. Je vous remercie également du mandat que vous m'avez confié. C'est une très belle opportunité, puis je vous en remercie. J'aimerais tout d'abord brièvement me présenter. Je suis né à Uxbridge, demeure à Uxbridge, j'ai été avocat ici pendant 30 ans. Je suis maintenant à la semi-retraite. J'avais une pratique de droit général à Uxbridge. J'ai été médiateur privé et judiciaire à la Cour supérieure de justice de l'Orignal. J'ai été également mandateur au bureau du procureur général d'Ontario pendant plus de 25 ans, puis j'ai été membre du conseil d'administration de l'hôpital d'Uxbridge et président ma dernière année. Donc, la raison d'être pour ma brève présentation de ce matin, c'est que j'ai eu l'occasion de revoir votre code de déontologie, le code de conduite, et votre protocole de plainte. Puis j'avais certaines modifications que j'aurais aimé ou que j'aimais présenter devant vous ce matin. Je ne sais pas si vous devez tous avoir une copie du document que j'ai préparé. Je pense que c'est assez simple. Au niveau du protocole des plaintes, il y a un article qui avait déjà été amendé, soit l'article 11.3G. Puis malheureusement, le sous-article 11.7 n'avait pas été radié, donc ça serait seulement de faire la correction. Ensuite de ça, suite à la plainte qui a été présentée
en décembre, on s'est rendu compte qu'il y avait un titre à la section 11 du protocole d'entente qui disait la responsabilité des membres du conseil, alors que ça aurait dû être la responsabilité du commissaire. Donc, ça aussi, c'est le deuxième changement que j'aimerais apporter au protocole. Puis le dernier que je soumets au conseil, c'est que présentement, le processus de plainte exige le paiement de frais administratifs de 100 $. Il y a plusieurs municipalités des comtés dont le montant est de 300 $. Moi, je vous suggérerais là, de possiblement vouloir augmenter ce montant-là de 100 à 300 $. Je sais que ça a déjà été discuté au conseil. L'argument pour augmenter ce montant-là, essentiellement, oui, je sais qu'on voulait assurer l'accès à la justice en gardant un montant raisonnable, mais je ne crois pas que 300 $ c'est un montant déraisonnable. Si quelqu'un a vraiment un motif raisonnable de présenter une plainte, je ne pense pas que c'est un montant de 300 $ qui ferait la différence, mais c'est quand même plus substantiel que 100 $. L'autre chose également qu'il faut se rappeler, c'est que dans votre protocole, puis ce n'est pas le cas avec tous les codes de conduite et les protocoles, dans votre cas, vous, le montant du frais administratif est remboursable, à moins que ce soit une plainte qui soit jugée être frivole, vexatoire ou de mauvaise foi par le commissaire. Donc, dans la majorité des cas, le montant serait remis. Donc, ce serait essentiellement seulement qu'un dépôt. Puis je considère que c'est un élément dissuasif qui pourrait possiblement éviter que des plaintes non fondées soient apportées. Donc, c'est quelque chose que j'apporte à votre attention. Si le conseil le juge bon, je pense qu'il serait préférable d'augmenter le montant du frais administratif de 100 à 300 $. En ce qui a trait au changement, ça met un terme au changement au règlement du protocole des plaintes. Quant au code de déontologie, j'avais certains amendements que je voulais proposer. Le premier, c'est au niveau des cadeaux qui sont reçus par les membres du conseil. Présentement, puis je ne sais pas, c'est très onéreux, je ne sais pas comment on se conforme à ce règlement-là à la lettre, mais présentement, de la minute qu'un conseiller ou qu'un membre du conseil plutôt reçoit un montant supérieur à 100 $ de toute provenance, à partir de ce moment-là, on doit remplir une déclaration de cadeau conformément au code de conduite. Moi, je suggère que ce soit seulement lorsqu'on reçoit un cadeau d'une personne ou d'une agence qui excède 100 $ qu'à ce moment-là, on soit obligé de faire sa déclaration. Je trouve que présentement, le code est très onéreux. Ça force les membres du conseil à remplir continuellement des déclarations, ou ça devrait si on se fie à la lettre au règlement. Donc, moi, je suggérerais qu'on change seulement qu'un mot, que plutôt dans cet article-là, on dise qu'il faut que ce soit 100 $ provenant d'une même et unique source. Ensuite de ça, au niveau, le prochain changement que je suggérerais, c'est au niveau de la confidentialité. Je croyais qu'on aurait pu rajouter un petit peu plus d'obligations au niveau de la confidentialité. C'est pour ça que j'ai proposé les changements qui sont dans votre document au paragraphe 7.4. Depuis que j'ai présenté ce document, Mme Cadieux m'a avisé plus particulièrement qu'au paragraphe 7.4b que je suggérais de rajouter, que ce n'est pas nécessaire de rajouter ce paragraphe-là, puisque vous n'avez plus aucun document papier qui vous est présenté, que c'est tout sur le site web des comtés. Donc, le 7.4b pourrait être annulé, sauf que je voudrais tout de même conserver là, les sous-aliénas A et le sous-aliénas A, justement, puisque le C également, on a rayé, puisque c'était redondant, étant donné qu'on en parlait déjà dans un autre paragraphe. Donc, ce que je suggérais au niveau du paragraphe 7.4, c'est de rajouter seulement le paragraphe A et ensuite de ça, les paragraphes 7.5 et 7.6 de mon document. Puis dernièrement, au niveau du code de conduite puis du
code du voyons, la loi municipale sur les conflits d'intérêts. J'ai reformulé cette partie de votre code de conduite pour refléter un peu plus ce qui se passait présentement. Donc, je vous suggère là, d'adopter le paragraphe 12.1, 12.2 et 12.3 tel qu'énoncé dans mon document. Donc, c'est brièvement ce que je suggérais. Je ne sais pas si les membres ont des questions à ce sujet-là ou si c'est assez clair. Merci, M. Lacombe. Je pense que M. Saint-Amour a une question ou un commentaire. Merci, M. le Président. Maître Lacombe, c'est une bonne revue. Est-ce que dans la confidentialité, on adresse-tu les huis clos là-dedans? Bon, c'est inclus. On adresse pas les huis clos, mais pas particulièrement en faisant référence à ce terme-là, mais évidemment que c'est de l'information qui est confidentielle en vertu d'autres articles de la loi municipale cette fois-ci, puis que comme membre, vous êtes absolument, le secret, la confidentialité s'applique définitivement au huis clos. Puis j'aimerais même attirer votre attention au paragraphe 7.5 que j'avais vu dans certains autres codes de déontologie. L'obligation de confidentialité ne cesserait pas lorsqu'on cesse d'être un membre du conseil. Je pense que c'est également sage que même si on ne se représente pas aux élections, puis que notre terme termine, que ce qui était confidentiel le demeure toujours. Donc, définitivement, pour répondre brièvement à votre question, ce n'est pas adressé spécifiquement, mais dans la loi municipale ainsi que par ces paragraphes-là de votre code de conduite, vous êtes tenu à la confidentialité. Merci, ça répond à ma question. Donc, merci, M. Leroux aussi. Vous avez une question ou un commentaire? Oui, merci beaucoup, M. le Président. À propos du 100 $ à 300 $, moi, j'ai pas de trouble avec ça du tout, especially if we're giving, if somebody can get a refund for it. Je pense que si quelqu'un se sent que c'est justifié, qu'il fait sa application, je pense 300, c'est raisonnable. Juste une question, clarification, tu viens juste de le mentionner, M. Lacombe, pour le 7.5. Clarification, I guess. Est-ce que the Integrity Commissioner position has the ability to enforce anything on a member of council who's no longer a member of council? Malheureusement pas, mais il y aurait d'autres dispositifs dans la loi qui permettraient... Parce que si vous regardez les sanctions que le commissaire à l'intégrité peut donner, c'est des sanctions envers un membre actuel qui va de demander des excuses à une suspension. Donc, c'est difficile, puis je croirais, à mon opinion, ça serait impossible pour le commissaire de faire ça avec un membre qui n'est plus membre du conseil, mais je pense que avec ce code de conduite-là, il y aurait possiblement, si c'était suffisamment sérieux, il y aurait possiblement la possibilité là, d'entamer une action judiciaire contre la personne en question. OK, parfait. Non, c'était juste pour 7.5, je regardais ça, puis je me disais, what's the point, mais avec ton explication, c'est parfait. OK, merci. D'accord. Donc, Mme Asselet, vous avez aussi une question ou un commentaire? Oui, certainement. Bonjour, Maître Lacombe. Ma question a plutôt trait à la délégation des pouvoirs du commissaire. Si le commissaire de l'intégrité se trouvait en conflit d'intérêts et qu'il désire déléguer ses pouvoirs, à ce moment-là, il doit le signaler, c'est-à-dire il doit trouver une personne compétente et le signaler au conseil. Ma question est celle-ci. Compte tenu que le commissaire de l'intégrité, il est embauché par le conseil et qu'il y a une résolution à l'effet que le commissaire est embauché par le conseil, je me pose la question que si vous deviez à un moment donné être obligé de trouver une autre personne compétente pour prendre un dossier,
que ça devrait être accepté par le conseil. Parce que à toute fin pratique, c'est le conseil qui va payer cette nouvelle personne-là, à moins que je me trompe. Peut-être que je vais m'aider. Oui, dans le, si vous consultez la majorité des documents, en tout cas, c'est les contrats d'emploi que moi j'ai signés, c'est la responsabilité du commissaire de trouver son remplaçant s'il y a un conflit d'intérêts. Donc, si le conseil voulait garder une discrétion, il aurait fallu que le contrat d'emploi le spécifie, parce que je connais pas le contrat d'emploi, je connais seulement que les contrats d'emploi que moi j'ai signés, puis tous ceux que j'ai signés, la responsabilité effectivement est sur le commissaire qui a signé l'entente, puis c'est à lui qui incombe la responsabilité de trouver un remplaçant. La seule chose que je pense qui serait importante dans des circonstances comme ça, ça serait de faire signer un contrat à la personne qui remplace pour s'assurer, entre autres, de la confidentialité, etc., étant donné que le commissaire qui remplace n'a pas signé le contrat d'emploi. Je dis contrat d'emploi, mais c'est un contrat de service, étant donné que tu n'es pas un employé. Ouais. Donc, je pense que ça serait important que le commissaire remplaçant signe une entente quelconque là, pour dresser ses responsabilités et ses obligations. Mais je ne crois pas que dans le contexte actuel, dépendamment du contrat, mais dans les contrats que moi j'ai signés, c'est la responsabilité du commissaire. Excusez-moi, une autre question. Si c'est la responsabilité du commissaire pour trouver la personne compétente, à ce moment-là, la personne qui va suffire de s'acquitter du dossier, le paiement, est-ce qu'il va à cette personne-là directement ou est-ce que le paiement passe par le commissaire qui, lui, en retour, paye l'autre personne? C'est là, c'est une question contractuelle que je regarde plutôt. Bien, je pense que le commissaire, ce qu'il fait, c'est qu'il délègue ses fonctions au commissaire remplaçant qui, à ce moment-là, lui-même, comme je disais, il devrait y avoir une entente qui l'encadre, puis définitivement que cette personne-là est redevable plutôt à la municipalité et non au commissaire attitré. Là. Je crois que oui, c'est le commissaire qui va déléguer ses pouvoirs, mais le lien contractuel devrait être entre le nouveau commissaire et la municipalité à travers d'un contrat de service qui viserait uniquement cette situation-là. Merci beaucoup. Vous avez bien répondu à ma question. D'accord. Excellent. Merci. Il y avait aussi M. Riopelle qui avait une question ou un commentaire. Merci, M. le Président. Maître Lacombe, ma question est la suivante. Concernant un appel d'un citoyen qui porte plainte, et puis après votre investigation faite, vous divulguez au conseil les informations et l'ouvrage que vous avez fait. Est-ce que l'information qui est donnée, je sais qu'elle n'est pas donnée en détail parce que vous avez vos notes, est-ce que avec l'information du Freedom of Information Act, est-ce qu'une personne pourra faire appel à toutes vos notes suivant l'enquête? C'est pas prévu dans la loi sur les conflits d'intérêts. Au niveau de la loi sur la liberté, le Freedom of Information Act, c'est une très bonne question. Présentement, je dois vous avouer que je ne connais pas la réponse, mais facilement, je pourrais la trouver. Ça n'est jamais arrivé, je ne crois pas, mais ça serait une possibilité, puis il faudrait vraiment consulter la loi pour s'en assurer. Mais à ce moment-ci, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Monsieur le Président, si vous voulez, je peux un peu renchérir sur la question de Monsieur Riopelle. Tout dépendrait probablement du déroulement du dossier. C'est certain que si une plainte serait rejetée, puis qu'on garderait la confidentialité de ce dossier-là, certainement, il y aurait des articles en vertu de la loi sur l'accès à l'information qu'on pourrait refuser la divulgation des documents pour maintenir la confidentialité du plaignant. Donc, tout dépendrait du déroulement du dossier ultimement, mais on a définitivement beaucoup d'articles
certains articles dans la loi sur l'accès à l'information qu'on peut justifier de ne pas divulguer certaines informations pour quelque raison que ce soit. Je peux également vous dire que la loi sur le municipal sur les conflits d'intérêts prévoit dans un article particulier dont je ne me rappelle pas exactement, mais que le commissaire, lorsqu'il rend sa décision, a le droit de ne donner la plainte qui est nécessaire pour justifier sa décision. Donc, il n'est pas obligé de donner le compte-rendu en détail. Donc, vraiment, en vertu de la loi sur les conflits d'intérêts, je dirais que la réponse est non, il n'y aurait pas droit aux notes du commissaire, mais la question à 60 000 $ ce serait de savoir si la loi sur la Freedom of Information Act, si elle le permet ou pas. Ça serait à ce niveau-là que ça jouerait parce que définitivement que la loi sur les conflits d'intérêts donne la discrétion au commissaire de refuser de donner de l'information s'il croit que ce n'est pas nécessaire. Okay, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires pour M. Lacombe? Sinon, je vais demander une recommandation du comité pour accepter les changements proposés par M. Lacombe, puis demander à l'administration d'inclure ces changements au règlement pour pouvoir adopter ça dans une réunion antérieure. Donc, proposé par M. Kirby, appuyé par M. Leroux, tous en faveur. Donc, merci beaucoup, M. Lacombe. Vous avez rejoint à nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je voudrais seulement rappeler aux membres du conseil que si vous avez quelques questions que ce soit au sujet d'un conflit d'intérêts, que c'est facile de m'envoyer un courriel, puis j'aimerais ça qu'on, si possible, qu'on puisse me donner le plus d'avis possible. D'habitude, je demande 48 heures, puis ça va me faire plaisir de vous répondre par écrit à toute question au niveau des conflits d'intérêts et des intérêts pécuniaires. Merci. Merci beaucoup, M. Lacombe. Donc, on va passer au prochain point. On avait le point des sujets des membres du conseil, on n'en a aucun. Donc, on va passer au point 6.1, présenté par M. Parisien, 6.1.1, prolongation du contrat avec Colliers Project Leaders comme gestionnaire de projet pour la construction de la nouvelle résidence de Prescott Russell. Donc, M. Parisien, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Est-ce que c'est possible d'avoir l'acétate au projecteur, s'il vous plaît? Mme Cadieux, on a une diapo pour ça, n'est-ce pas? Oui, en effet, il y avait la diapo avec les coûts. Exact. Ah, OK, merci, Olivier. Donc, membres du conseil, members of council, back in 2018, we got an offer of service from Colliers Project Management to undertake our long-term care facility redevelopment project. At the time, Colliers estimated that project management from the onset to the end of our construction and move-in phase would cost roughly $746,000. That amount was based on a project budget that was at the time forecasted at roughly $43 million. Le conseil avait choisi à 7 ans de donner des tranches dans le contrat avec Colliers, donc de ne pas autoriser l'entièreté du montant de $746,000, mais bien en fait de donner ou d'octroyer des contrats de façon annuelle afin de pouvoir avoir une clause de résiliation à tout moment si le contrat n'allait pas de l'avant. Donc, on a continué de cette façon-là avec Colliers, soit de leur verser des montants ou des phases de façon annuelle, de sorte que à la fin du mois qui s'en vient, on aura exhausté, si vous voulez, notre autorisation au niveau de l'administration de prolonger le contrat avec la firme de Colliers. Ceci étant dit, on ne peut pas continuer seul, on doit continuer avec avec Colliers Project Management. Et ce matin, ma recommandation qui viendra avec une résolution dans deux semaines ou un rapport si le conseil le juge à propos,
c'est de bien vouloir octroyer le reste des frais qu'on devra verser à Colliers pour voir la réalisation du projet de la nouvelle résidence. Donc, il y a eu des ajouts qui ont été faits au niveau des services de planification. La résidence est maintenant à un niveau beaucoup plus élevé en termes de coûts qu'elle l'était lors de son évaluation en 2018. De sorte que le restant ou le solde des coûts à être versé à Colliers jusqu'à la fin du contrat sont de l'ordre de 475 090 $, comme vous voyez sur la diapo, dans la bande au bas, juste au-dessus du carré rouge. So in essence, I need approval from council. The monies are in the budget. It's part of the project management cost that are estimated at 1.4% of the total construction. So in 2 weeks from now, unless council needs a report from myself, I would recommend that we adopt a resolution to sign the contract with Colliers to extend their services and to pay the fee of $475,000 till the end of the construction. I would hope that my presentation was clear enough. I remain open for questions, and it's basically an administration procedure that we have to go through. But beyond the February, I no longer have the authority to pay Colliers for their work. Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Parisien. Je vois que M. Kirby et Mme Astley ont des questions, des commentaires. M. Kirby, allez-y. Monsieur Parisien, le total qu'on voit de 870, là, ça, c'est le total d'argent qu'on les a donné, qu'on va les avoir donné? Monsieur le Président, M. Kirby, oui. À la fin du contrat, on va leur avoir versé 870 000 $, qui est à peu près 125 000 de plus que ce qu'on avait estimé en 2018, parce qu'il y a eu une augmentation du budget de la résidence. Merci beaucoup. Donc, Mme Astley aussi, vous aviez une question ou un commentaire? Vous devez activer votre micro, Mme Astley. Excusez-moi. J'ai tout simplement quelques questions. Est-ce que nous allons continuer à avoir un contrat de façon annuelle avec Colliers jusqu'en 2024? Ou ça va être un contrat qui va être de maintenant, de 2021 jusqu'à 2024? Monsieur le Président, Mme Astley, le contrat là, qu'on demande de poursuivre avec Colliers, c'est de leur verser le solde, qui est 400 000, qui sera versé à partir du 1er mars de cette année jusqu'à la fin de la construction. Donc, ce n'est pas de leur verser le montant, le one shot, c'est de le verser au cours des prochaines années jusqu'à la fin de la construction. Puis, si je vous donne un exemple concret de ça, M. le Président, c'est qu'on n'a pas l'expertise, nous, à l'interne, pour faire la gestion du projet. Mais quand on regarde ce qu'on va verser dans les trois prochaines années, soit 400 000, c'est à peu près ce que ça nous coûterait si on avait cette personne-là in-house, si vous me permettez l'anglicisme, pour gérer le projet à partir des Comtés-Unis. Donc, c'est essentiellement un taux salarial annuel qu'on verse à Colliers pour faire le travail pour nous. Vous avez une autre question, Mme Astley? Oui. Tout simplement, vous avez parfaitement raison, M. Parisien. Que si on avait un in-house counsel, c'est ce que ça nous coûterait. Quand on pense qu'on part de 2018 à 2024, c'est presque 6 ans. Alors, on n'a pas eu à payer tous les bénéfices qui se rattachent à ça. Moi, ma question pour vous, c'est plutôt, est-ce que vous croyez que la construction va se terminer si tard que ça, comme en 2024, selon vous? Monsieur le Président, Mme Astley, je vais en parler tantôt, mais je peux quand même brièvement toucher votre question là. Dans la cédule qui avait été élaborée par la firme dès le début, on estimait être capable de finaliser et de déménager les résidents dans la nouvelle résidence en 2022, donc décembre 2022. Il y a eu la COVID, donc la COVID a retardé en fait notre processus de planification. Ça a retardé les autorisations qui ont dû être
obtenu du ministère. On a également eu un peu de retard sur l'appel d'offres qui a été lancé. Et lorsqu'on a reçu nos appels d'offres, nos soumissions d'ailleurs, l'entièreté ou presque l'entièreté des entrepreneurs nous avait indiqué que le délai pour finaliser la construction était un délai impossible. Et donc, certains d'entre eux avaient rajouté des frais supplémentaires pour embaucher plus de personnel pour le terminer en 2022. Puis, on avait recommandé au conseil de ne pas faire ça. Le ministère nous a accordé la prolongation. Donc, on prévoit, selon la cédule de l'entrepreneur Heim, de finaliser la construction par la fin 2023. Est-ce qu'il y aura des obstacles, des embûches? Je ne peux pas répondre à ça, mais on est rendu au moins à la fin de l'année 2023. Merci beaucoup, M. Parisien. Est-ce qu'il y en a, M. Riopel, vous avez aussi une question ou un commentaire? Merci, M. le Président. M. Parisien, comme vous savez, j'aime les chiffres. Vous avez mentionné 1,4% tantôt. Si on prend 53 000 de votre charte de tantôt, 53 326 571 à 1,4%, ça donne exactement 746 572. Mais si on prend 1,4% du 70 610 000, les nouveaux chiffres en 2021, ça représente 988 540, donc un manque à gagner de 118 000. Êtes-vous en train de nous dire qu'on a sauvé 118 000? Bon, s'ils vont revenir pour vouloir avoir la différence? Monsieur le Président, Monsieur Riopel, je vais laisser Mme Parisien répondre à votre question. Ah, je suis que ça soit toi qui me réponde. Monsieur le Président, Monsieur Riopel, dans le fond, c'était un estimé à 1,4% dans le temps au début du projet. Il estimait que ça coûterait à peu près 1,4% du total des, pardonnez-moi l'anglicisme, des hard costs. Là, c'est rendu à 1,2. C'est juste que c'est rendu à 1,2% à peu près comparativement aux hard costs. Donc, c'est un changement d'estimé, là. OK, merci. Vous voulez juste pas qu'il revienne pour le 118 000. Non, non, non. Non, d'ailleurs, M. le Président, M. Riopel, lorsqu'on a choisi Colliers en 2018, on n'y a pas été selon un appel d'offres tel que la politique d'approvisionnement le prévoit, mais le conseil avait accepté ma recommandation d'embaucher Colliers comme fournisseur exclusif parce que justement, le frais de gestion de projet de 1,4% était en lien avec ce que le ministère autorisait au niveau de la subvention totale. Et Colliers a été un partenaire extraordinaire pour nous, de sorte qu'ils ont joué fair play. Ils ne nous ont pas overbuild pour des choses. On a demandé beaucoup de travail d'eux. Ils continuent à nous appuyer dans ça, de sorte que là, maintenant, on est rendu à 1,2%. Donc, pour nous, ça a été un partenaire extraordinaire, puis ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire, comme je vous dis, in-house. Il reste beaucoup de choses à faire, des rapports à compléter pour le ministère, des entretiens, des vérifications avec Heim Construction. Il va y avoir du travail de fait de notre équipe à l'interne. On n'a pas cette expertise-là. Puis le chargé de projet chez Colliers, c'est M. Rodriguez. Il a été m'excusez l'expression, il a été un rock star avec nous pour la gestion de ce projet-là jusqu'à là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Parisien, M. Riopel. Est-ce qu'il y en a d'autres membres qui ont des questions, des commentaires concernant ça avant qu'on passe à la recommandation? Non? Donc, comme M. Parisien l'a dit, ça prend la recommandation pour l'extension du contrat qui sera voté à une prochaine réunion. Donc, proposé par Mme Astley, appuyé par M. Lafleur. Donc, vous êtes tous en faveur? Excellent, merci M. Parisien. Donc, prochaine, oui, vous voulez rajouter quelque chose? J'en conviens que la résolution sera suffisante, que je n'ai pas besoin de produire de rapport. Est-ce que Mme Cadieux veut rajouter à ça? Je crois que la résolution sera suffisante, puis il va y avoir un règlement également pour entériner le contrat de Colliers, comme qu'on a fait un an passé. Excellent, merci beaucoup. Donc, on peut passer à la prochaine item qui est, next item is 6.1.2 is the extension of partnership with the organization Ottawa Riverkeeper as part of the Pacte de l'Amitié. Donc,
Je ne sais pas si c'est M. Bromberg qui veut nous parler du dossier. C'est un dossier sur ma gouvernance. M. le Président, M. Bromberg pourra commenter s'il le veut bien. On a reçu la résolution là, de la municipalité d'Argenteuil. Donc, la municipalité s'engage à verser son tiers pour l'entièreté du projet de 40 000 soit 13 333,34. Donc, ils vont prendre la scène de plus, si vous voulez, sur la 40 000 là. Et donc, on a l'argent au budget, mais ça va demander du conseil une décision dans deux semaines. Donc, on va rapporter cette même résolution-là pour la façonner à notre façon, pour qu'on puisse emboîter de notre côté avec la municipalité d'Argenteuil. Il manquera donc celle de Papineau pour compléter dans le cadre du pacte de l'amitié. Excellent. J'aimerais profiter de l'occasion pour souligner que notre nouvelle représentante, c'est Mme Asley, sur le comité du pacte de l'amitié. Puis est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des questions ou commentaires suite à cette demande-là? On voit qu'il n'y en a aucune, donc encore là, on a besoin de recommandations pour nécessité d'accepter la prolongation. Donc, j'aurais besoin, Mme Asley, vous proposer, appuyé par M. Leroux, tous en faveur. Donc, excellent, merci beaucoup. On va passer à la prochaine item, qui est la processus de nomination pour le conseil d'administration du réseau régional de l'Est d'Ontario. Donc, c'est le Eastern Ontario Regional Network Board of Director Nomination, qui était l'item 6.1.3. Donc, est-ce que je cède la parole à vous, M. Parisien? Oui, merci, M. le Président. Et tout simplement pour recommander la nomination de M. Pierre Leroux au poste de directeur sur le Eastern Ontario Regional Network. M. Leroux siège là depuis maintenant un an. Moi, je suis un des co-leads. M. Leroux est nommé par le EOWC. Il y a des membres qui peuvent être nommés au sein de ce bureau de direction-là sans être nécessairement des présidents de conseil, des wardens, comme on les appelle. Donc, la nomination de M. Leroux va être faite, en fait, mais on aurait besoin d'avoir une résolution du conseil recommandant la nomination de M. Leroux au sein de l'organisme. Donc, c'est une procédure administrative, mais on va présenter une résolution dans deux semaines avec la recommandation du comité plénier de bien vouloir présenter cette résolution-là. Merci, M. Parisien. Je vais peut-être donner la chance à M. Leroux de rajouter quelque chose. Je veux juste dire vite fait que j'ai participé en tant que warden aux présentations, puis je pense que plus que jamais, là, c'est un dossier important où ce qui est des gens qui sont là depuis quelque temps sur le conseil d'administration, parce que c'est sur le point d'aboutir avec les demandes au gouvernement. Donc, je pense d'avoir M. Leroux qui est là depuis l'année passée, c'est une valeur additionnelle. Donc, est-ce que vous avez un commentaire, M. Leroux, quelque chose à rajouter? Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le Président. C'est un comité que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que, comme tu dis, avec la pandémie, plus que jamais, on voit le manque à gagner sur le service d'Internet dans l'Est ontarien. Alors, c'est un projet qui va augmenter beaucoup le développement économique dans la région si on peut faire réaliser le gouvernement provincial puis fédéral à venir à table pour ce projet-là. Alors, je suis très fier de représenter les Comtés Unis sur ce comité-là. Merci. Merci beaucoup, M. Leroux. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires pour M. Leroux à ce sujet-là? Aucune? Donc, encore là, on a besoin d'une recommandation pour pouvoir voter sur la résolution à la prochaine réunion. Donc, M. Desjardins propose, M. Kirby appuie, donc vous êtes tous en faveur. Excellent. Donc, le prochain item, next item 6.1.4, is the start of construction of the new Prescott and Russell residence. And I will leave the Mr. Parisien to tell us more about this subject. Merci, M. le Président, membre du Conseil. Pour ceux et celles qui ont circulé sur l'avenue Spence, vous aurez remarqué de l'équipement lourd qui est maintenant sur place. Donc, les travaux ont commencé cette semaine. Il y a une excavatrice assez imposante, rouleau compresseur également. Normalement, on fait une première pelletée de terre et puis on invite les membres du Conseil à le faire. Compte tenu des restrictions de la COVID puis de l'impossibilité de pouvoir réunir plus que 5 personnes dans un endroit, ben on est un peu pogné à ne pas faire cette première pelletée de terre maintenant.
C'est dommage. Peut-être que les restrictions vont être levées bientôt. Ça va nous permettre de le faire. De toute façon, avec la température, les restrictions, on ne prévoit pas faire la première pelletée de terre avant fin mars, mois d'avril, pour permettre à tous les membres du conseil d'y être. C'est un peu plate de ne pas être capable de le faire, mais vous comprendrez qu'on ne peut pas non plus empêcher la construction de débuter. So I'm leaving this as information from members of council. The construction has begun. We will do our official ceremony once we are capable to meet as a group and to take the appropriate pictures and do a formal press release. But in the meantime, unfortunately for members of council, or fortunately for our residents, the construction is moving ahead, and we will do the ceremony later in the spring. Merci beaucoup, M. Parisien. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires au sujet de la construction, du début de la construction? Aucun? Donc, on peut passer au prochain sujet, qui est l'item 6.2. C'est le lancement du nouveau site web des Comtés-Unis de Prescott-Russell. Donc, je pense que ça va être M. Brumberg qui va nous faire une présentation à ce sujet-là. Oui, merci, M. le Président. Puis bonjour et bonjour aux membres du Conseil. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter un petit sneak preview de notre nouveau site web des Comtés-Unis. Donc, c'est un projet qu'on travaille dessus depuis l'an passé, en collaboration entre l'administration et le développement économique et touristique à travers la gestionnaire de marketing et de publicité. Comme avec n'importe quelle refonte d'un site web, c'est toujours beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a souvent, surtout avec les sites web, les nouvelles normes changent souvent les tendances aussi pour qu'est-ce qui est des sites web. Donc, on a profité pour faire ce redesign, puis en même temps régler certaines choses qui traient à l'accessibilité. Donc, suite aux nouvelles normes qui ont débuté, entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Je tiens également à souligner qu'il n'y a aucun coût pour la refonte du site web. Quand nous avons signé le contrat avec Civic Live, notre fournisseur actuel, en 2015, la refonte du site web, après 4-5 ans, était inclus déjà dans le contrat. Donc, il n'y a eu aucun coût pour les Comtés-Unis de faire le redesign de ce site. Comme j'ai mentionné, on a profité de faire une mise à jour avec les nouvelles normes et les nouvelles tendances, et en même temps régler les questions qui traitent l'accessibilité. Je veux aussi juste mentionner, puis je vais vous montrer le site web dans quelques instants. On va faire le lancement officiel d'ici la fin du mois. Il va y avoir un communiqué qui va sortir avec ça. On va avertir le public pour aller visiter notre site web. And in general, we're pleased to announce that the website will be more attractive, more appealing, and most of all, easier to navigate. So, as we know, there's a lot of information on websites, and they're not always very easy to navigate from the public's perspective. So, our goal here was really to make it as accessible and as easy to navigate as possible. Voyez-vous mon écran? Oui, absolument. Okay, donc voici le nouveau site web. Évidemment, il est bilingue. Donc, je vais vous montrer la version française et la version anglaise. Donc, ici, on a la version anglaise, la française, la landing page qu'on tombe dessus quand on va aller prescott-russell.on.ca. Nous avons la belle photo des membres du conseil. Évidemment, la photo a été prise avant la COVID-19, donc il n'y avait pas de masque dans ce temps-là. On a l'accueil, on a une section habitée. Puis, il y a des nouveaux thèmes qu'on a utilisés. Au lieu d'avoir des thèmes traditionnels, on a réinventé un petit peu les mots pour le rendre plus attirant. Donc, on a habité, découvrir, travailler, puis investir. Donc, dans le but d'aider les gens à trouver les services qu'ils recherchent. Sous habité, on a la majorité des services des Comtés-Unis, dont le conseil, les infractions provinciales, les services sociaux, les services d'urgence, etc. Et c'est très clair, très facile à naviguer encore, surtout pour les gens qui ont des difficultés peut-être avec l'accessibilité, pour naviguer, aller voir les différentes catégories, les différentes sections du site web.
Même chose pour découvrir, travailler et investir. Je vais vous montrer un exemple d'une des pages pour la forêt La Rose. Encore beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, pas beaucoup de textes qui vraiment qui représentent des nouvelles tendances. Les gens ils cherchent souvent des belles images, des photos, puis de l'information très rapide, très claire. Je tiens à mentionner aussi que le site web mobile est très efficace. Donc, si vous allez voir le site web sur les téléphones cellulaires, il fonctionne très, très bien, qui était des fois un problème avec notre ancien site web. Donc ici, on a toutes les activités qu'on peut aller trouver dans la forêt La Rose. Si je me rends au site web en anglais, the subjects are home, stay, discover, work, and invest. We also have links to our Facebook page, Twitter page, Instagram page, YouTube page, the company directory, information about accessibility. This is the à la carte section from our GIS service. And as we scroll down the page, we've got our most recent news, upcoming events for council meetings and other corporate and council related events. We've got a link to our Facebook page, as well as Twitter and Instagram, everything neatly tucked into drop down menus. And finally, a section where we display the web pages of our other local municipalities with photos from those local municipalities, of course. To encourage people to visit our local municipalities' websites at the same time. And finally, the footer of the page here, where you have some information about the United Counties and some quick links. So with that, I'll end my presentation and happy to take any questions from council members. Merci beaucoup, Monsieur Brumberg. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des questions, commentaires suite à cette présentation-là? Si je peux faire un commentaire, c'est excellent comme travail. Ça a l'air, c'est toujours de rendre les choses plus faciles pour les gens qui visitent les sites web. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui se trouvent dans les sites web, que ce soit le site web des comtés unis, des municipalités. Énormément d'informations. C'est la façon où ce que les gens peuvent aller l'accéder qui est difficile à faire une belle présentation. Je pense que ce que vous nous avez montré là, ça semble être une excellente façon là, pour les gens de se retrouver plus facilement. Donc, merci M. Brumberg. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on va passer au prochain sujet. Donc, on va passer à l'item 6.3.1. qui est présenté par Mme Carole Lavigne, qui est le On Demand Public Transportation Program pour PA Transpo. Donc, Mme Lavigne, la parole est à vous. Merci, M. le Président, membre du Conseil. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous faire une courte présentation avant mon rapport qui va vous être présenté dans deux semaines avec une recommandation. Je voudrais vous donner un petit peu où est-ce qu'on en est suite à la recommandation du Conseil d'essayer de trouver une façon de pouvoir rendre plus utilisé le service de transport en commun et aussi vers une solution plus rentable. On avait présenté en octobre au Comité de développement économique une version de on-demand, sur demande, les autobus sur demande. Et depuis octobre, on a trouvé plusieurs autres plateformes de transport en commun qui existent. Donc, ce que la plateforme, juste pour vous donner un petit résumé de ce qu'on avait présenté, ce que la plateforme apporte, c'est un algorithme qui offre aux usagers la possibilité de pouvoir réserver ses départs. On peut réserver les départs via téléphone, Android ou Apple ou toutes sortes de cellulaires, appel directement online avec un agent de projet pour le PA Transpo selon les heures de bureau qui font faire la réservation. Donc, la réservation, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on demande un autobus pour une heure de départ approximative à un coin de rue. Il y a déjà des arrêts déjà désignés, mais on peut ajouter des coins de rue dans les centres-villes virtuels. Donc, l'autobus ou l'algorithme va vous donner une heure approximative à l'heure qu'ils vont être pour aller vous chercher. Et si en cours de route, il y a d'autres demandes qui sont en fait et qui sont un peu avant,
ils vont changer le temps de route, donc entre 15 et 20 minutes qu'on peut se donner comme laps à attendre. Et vous recevez un avis. Bon, l'autobus, au lieu d'être à 9h, il va être à 9h10, à votre arrêt que vous avez demandé. Donc, il y a la plateforme, c'est 4 éléments, si vous vous souvenez, les passagers qui peuvent demander le départ et vers la direction. Le conducteur a une tablette dans laquelle il voit son prochain pick-up son prochain dépôt des gens qui montent dans l'autobus. Tout ça, c'est sur une application web et on est capable, du bureau, on va être capable de voir tous les autobus, où est-ce qu'ils sont et vers quoi les routes s'en vont et quelles sont aussi les routes les plus usées, utilisées, les arrêts, les départs et les directions. Donc, on va avoir des données statistiques assez précises sur le nombre de voyages et les directions et surtout les arrêts. C'est ça. Aussi, on a un mode de paiement en ligne. Donc, afin d'éviter les no-show, comme on appelle, tu appelles pour ton rendez-vous, pour ton autobus pour demain matin, 9h, et il y a quelque chose, tu n'y vas pas. Alors, afin d'éviter les trajets inutiles, les paiements vont être en ligne. Donc, on aurait l'option de payer en ligne, c'est ce qui va être demandé, soit par carte de crédit, ou par billet, on a déjà en circulation des billets, ils ont des numéros, on entre le numéro et on peut réserver nos départs comme ça. Il va avoir aussi accès, comme je l'ai dit, des arrêts virtuels. Virtuels, ça veut dire, bon, ben, j'ai pas d'arrêt physique d'autobus, mais je veux quitter, je suis sur un coin d'une rue et je donne le nom du coin de la rue, les deux rues. Et l'autobus va l'entrer dans, c'est comme un genre de Google Maps, que ça rentre dans l'algorithme. With the proposed on-demand transit service, we will have to revise the price because there will be some distance that will be longer. So we will be in consultation with our finance department and our transport service provider in order to see how this could be a bit more viable as a public transport, and we'll come back to the council presenting the future rates of the transport. There will be, like, for example, within the city, 20 kilometers and less, over 20 kilometers but less than 50, and over 50 but less than 100, and 100, because we know that from one point of the county to another, it's over 100. En plus de nos recherches, nous avons fait une demande auprès du ministère des Transports de l'Ontario pour savoir s'ils étaient d'accord avec le changement de service avec des routes fixes, des arrêts fixes, et sur demande. Alors, on a reçu la réponse le 27 janvier en après-midi, positive. Ils acceptaient, ils vont modifier notre entente, donc ils acceptent qu'on essaie ce service-là pour le reste du projet pilote qui est mars 2023. Alors aussi, en parallèle, afin d'accélérer le processus, parce qu'on sait que ça va nous prendre à peu près 4 à 5 mois à mettre ça en place, et on aimerait commencer pour l'été. Alors, afin d'accélérer le processus, on a procédé à un business tenders pour les plateformes des comtés, sous conditionnel à ce que le ministère approuve et le conseil approuve d'aller de l'avant avec ce nouveau service-là. Alors, dans mon rapport et ma recommandation, je vais demander une dérogation à continuer avec notre fournisseur de services actuel, le Duc Boisseline. Parce que notre entente, d'une part, mentionne qu'on a le droit de modifier les services avec le fournisseur et les CUPR. Alors, ceci, si on commencerait maintenant à mettre en place ce nouveau projet, on pourrait débuter début juin. Ceci nous donnerait 21 mois de rodage, si on veut, pour ce nouveau service-là, savoir est-ce que c'est plausible pour le privé ensuite, après mars 2023. Je vais vous présenter, comme j'ai dit, mon rapport. Et moi, d'ici la réunion du conseil, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir, si le conseil approuve ce nouveau projet-là, d'avoir votre bénédiction ou votre apport que je peux commencer
soit à allouer le business tenders, commencer la modification de l'entente avec le Duc Boisselin. Ceci est mon rapport, Monsieur le Président, membre du Conseil. Merci beaucoup, Mme Lavigne. Est-ce qu'il y en a que des questions, des commentaires pour Mme Lavigne? Sinon, écoute, sûrement vous avez vu là, à Roma, là, le gouvernement de l'Ontario a encore mis 375 millions pour du transport en commun dans 144 municipalités. Donc, je pense que ça, c'est en ligne avec le mandat d'avoir gardé ce programme-là. Ça en hydrate là avec ces programmes-là, puis continue, puis ça ne serait pas surprenant qu'il y ait de l'aide additionnelle quand ça viendra à terme. Mais pour l'instant, tout ce qu'on demande, c'est une recommandation pour que Mme Lavigne puisse continuer avec l'administration à travailler sur ce dossier-là pour qu'elle puisse nous présenter ça à la prochaine réunion. C'est bien ça, Mme Lavigne? Monsieur le Président, Mme du Conseil, c'est exact. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la recommandation? Monsieur Lafleur, appuyé par Monsieur Desjardins, tous en faveur? Excellent. Donc, merci beaucoup, Mme Lavigne. Merci, membre du Conseil. Donc, prochain item, ça va être d'aller à huis clos. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour aller à la portion huis clos de cette réunion. Donc, proposé par Monsieur Riopel, appuyé par Mme Asselet, tous en faveur? Donc, on va aller en huis clos, puis on va revenir par la suite. Pour aller au micro, là, tu fais quelque chose? Oui. OK.
Donc, est-ce qu'on est, je veux juste voir, faire sûr qu'on est tous revenus, voir les participants. Il nous manque encore des joueurs. Je pense qu'il manque juste M. Kirby à ce point-ci. Monsieur le Président. Oui. Allez-vous dire quelques mots pour Justin? Absolument. Puis avant la journée, je peux-tu rajouter deux petites secondes? On a un comité des travaux publics après. On peut-tu commencer, mais qu'on ajourne 10 minutes après? Absolument. Oui, ça prend ça. OK, merci. Donc, aujourd'hui, M. Pierre. Donc, tout le monde est là? Est-ce que M. Kirby est là aussi? Est-ce qu'il y a un meeting de service d'urgence aujourd'hui? Je ne pense pas, mais... Non, juste travaux publics par la suite. Okay, c'est bon. Donc, est-ce que j'ai de la peine à voir tout le monde? Je vois que Mme Asley est là. Donc, il manque juste M. Kirby. Tout simplement, le dernier sujet, c'était d'aller de l'avant avec l'ajournement. Mais avant d'aller de l'avant avec l'ajournement, j'aimerais juste mentionner quelques mots pour le départ de M. Bromberg. Je sais qu'au nom des Comtés Unis, là, des membres du conseil, mais j'aimerais le remercier pour tous les services qu'il nous a donnés au fil des... Ben, en tout cas, moi, ça fait 2 ans que j'ai la chance de travailler avec M. Bromberg. Je pense que la façon qu'il nous préparait les dossiers, qu'il a travaillé avec nous, là, autant quand on allait en délégation, puis faire sûr que tout était là pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'on va manquer de lui. J'aurais souhaité que ma présidence, l'année 2021, j'aurais pu la compléter avec M. Bromberg, comme j'avais mentionné dans un de mes courriels. C'est triste, mais en même temps, je vais lui souhaiter les meilleures chances dans ses projets futurs. Puis on va être toujours là, M. Bromberg. On espère de pouvoir vous croiser ailleurs à des conventions. Puis on aimerait vous remercier tout simplement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres membres qui aimeraient prendre la parole pour dire un mot à M. Bromberg, tout simplement pour le remercier avant de passer à l'ajournement. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je ne sais pas si M. Bromberg voulait dire un petit mot. Monsieur le Président? Oui. Moi, j'aimerais ça parler, si c'est possible, après. Oui, allez-y, M. Parisien, absolument. OK, merci beaucoup. Ben écoutez, Monsieur le Président, membre du Conseil, Justin, c'est sa dernière journée de travail aujourd'hui. C'est quand même ironique qu'il présente le lancement du nouveau site web, donc il a eu la chance de finaliser son dossier avant de nous quitter. On perd un gros morceau aujourd'hui au Comtés-Unis. Justin est avec nous à mon bureau depuis 2012. Il s'est amené au mois de mai. Au tout début, là, je vous dirais qu'on ne savait pas du tout où on s'en allait avec ce poste-là. Puis j'avais indiqué à Justin qu'il devait en faire de ce poste-là ce qu'il voulait en faire. Et puis, je dois vous dire que 8 ans plus tard, presque 8 ans plus tard, ben 8 ans et demi plus tard, il a vraiment été capable de relever son jeu puis d'être à la hauteur en tout temps. Je dis toujours à Justin que je ne suis pas un patron qui est facile à travailler avec et pour. He's always risen to the challenge, no matter what was thrown at him, and he's been a very important part of who I have become as a CAO and what our municipality has become also on the provincial stage. One of the key components that we were lacking when he came on board was our ability to truly communicate in the Shakespeare language at a level that was over and beyond what was expected. And with Justin on board, we were on center stage, a world-class contender
in providing professional communication correspondence, having someone in our office to reach out to ministers and cabinet ministers and their staff, and to exert the most level of professionalism in getting us recognition, both at the province and the federal level, to get delegations with ministers, to get inside their offices to see what made them tick and to possibly advance some of our files. Justin's also been an extremely important relations person with all of our stakeholders in the community, as well as being very well liked inside our own organization. Il n'y a personne dans le bureau qui va vous dire qu'il n'aime pas Justin. Justin, c'est un jeune homme qui est excessivement aimable, qui a toujours une bonne façon de voir les choses. J'ai rarement vu Justin de mauvaise humeur. D'ailleurs, je pourrais les compter sur 5 doigts d'une seule main dans ces 8 années-là. Donc, il va nous manquer énormément. Il va me manquer à moi énormément. J'espère que ce n'est qu'un au revoir, et puis je lui souhaite la meilleure des chances dans sa nouvelle aventure, et hey, I'll see you later, my friend. Merci. Merci beaucoup, M. Parisien. C'est très touchant, ce témoignage-là, puis comme vous dites, là, je peux rajouter que M. Bromberg était plus ou moins l'image à Toronto des Comtés-Unis de Prescott Russell en siégeant sur l'AMO et tout ça. Je ne sais pas si M. Bromberg voulait prendre la parole, peut-être juste dire un petit mot. Sinon, s'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent dire un mot avant qu'on aille avec l'ajournement. Merci, M. le Président, membre du Conseil. Merci pour les beaux mots. Et merci Stéphane aussi, Parisien, pour les beaux mots. C'est un petit peu, c'est rare que je deviens émotif, mais je dois vous avouer que ces dernières semaines, depuis l'annonce de mon départ, ont été très émotives pour moi. Je sens comme je quitte une grande famille. Heureusement, je reste dans la région de Prescott Russell, qui est devenue mon nouveau chez nous depuis plus qu'une dizaine d'années. J'adore ici, j'adore mes collègues, mes confrères, mes consœurs de travail. J'ai fait énormément de nouvelles amitiés depuis mon arrivée aux Comtés-Unis, et j'ai énormément de respect pour les gens que j'ai pu travailler avec. Donc, je me considère très choyé, très chanceux de pouvoir avoir eu cette occasion de travailler aux Comtés-Unis pendant presque 9 ans. C'est très touchant. J'apprécie énormément l'appui que vous avez démontré envers moi. Tout ce que j'étais capable de faire, c'est aussi grâce à vous, de votre appui, de me laisser exceller, avancer dans ce poste. It has truly been an honor and a privilege to work here and to get to know you all. Donc, merci beaucoup. Puis, je tiens aussi, je pense que je partage les mêmes sentiments, que it's not goodbye, but it's see you soon. Absolument. Merci beaucoup, M. Bromberg. Donc, si il n'y a pas de membres du conseil qui veulent dire un mot, on va procéder avec l'ajournement. Puis là, c'est sûr que si vous avez quelque chose, on ne vous voit pas en étant en mode présentation de la réunion. Donc, merci encore, Justin. Puis, on se revoit bientôt, c'est sûr. Puis, bonne chance dans tous tes projets futurs. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va procéder avec l'ajournement de cette réunion. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour l'ajournement. Monsieur Saint-Amour, appuyé par Mme Asselet, donc tous en faveur. Donc, on va voir, juste pour vous dire que la réunion des travaux publics va commencer dans 10 minutes. On va être un petit peu en retard. Je pense qu'elle est assidulée pour 10 heures. Donc, on se quitte puis on se revoit pour les membres qui siègent sur les travaux publics. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Bonjour tout le monde. Salut.
Bye tout le monde.